Thank you.
جيل مؤدب في أبهى الملابس. أدب وعلم خلق وفن وجد وكد وحب التنافس. قرآننا يتلى والشر يجلى، فضاؤنا أحلى كمثل العرائس. إيميل يا كنزي ولب فؤادي، يغنيني حبك عن كل المدارس. هادي الجوار مريم فخورة بذكر إيميل في كل المجالس. Thank you.
ce matin. À l'aurore, je suis baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée billée. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
مع مجموعة من الحيوانات الضعيفة، ولما استبد بهم ثارت عليه وأعلنت عصيان وطالبت بحقوقها وإنصافها في العيش الكريم. لنسمع الحكاية. نريد العدل، نريد العدل، نريد العدل، نريد العدل. ما هذه الأصوات يا حاسبنا الثور؟ مجموعة من الحيوانات تريد عدلك وإنصافك. من من؟ من الأسد وحاشيته. أدخل أضعفهم رفقا به. تفضلي يا أرنبة، ما قصتك؟ لا وقت لنا للبكاء. وكانت حشيتي هي التي تصطاد لي مثل هذه الحيوانات الصغيرة، ولكن لم تكن تتحارى العدل والحقيقة. حسب الله نعم الوكيل فيك يا أسد. دعيني أدخل لأشكر من سيد الحصان. ما حكيتك أنت الأخرى؟ سيد الحصان، هذا الأسد ألقى بزوجي 30 سنة في السجن. أما زال حياً؟ نعم سيد الحصان. أدخليه. البارح ليش لماذا سجنوا كل هذه المدة؟ وقف زوجي وتحداهم في سباق على الطريق، فزنا عليهم في الحيلة، وفي النهاية لم يرضى بالهزيمة وحكم على زوجي 30 سنة. أنت يا أسد، ماذا تقول في هذا القنفذ الذي أمامك؟ أنا لا أذكر شيئا من هذه القصة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أسد. سيد الحصان، سمعت يتحدث عن ثروتي مع خادم المقر الثعلب. ماذا على الثعلب؟ الثعلب المكار يتقدم إلى المحكمة موقرة. كم تبلغ ثروة هذا الأسد المخلوق؟ بدرهم بدرهم. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. Est le fruit d'un travail de longue haleine, d'un travail réalisé tout au long d'une année. J'espère que ce programme varié, chansons, pièces de théâtre, danse et poésie, vous remplira de fierté. Fierté de voir vos enfants s'exprimer en face de vous avec beaucoup de naturel et de spontanéité. C'est pour cela que je vous demanderai d'être indulgent avec nos jeunes artistes. Je tiens aussi à remercier Monsieur Gmra, l'équipe Émile 2, sans laquelle ce spectacle n'aurait pas pu se faire. Sans plus tarder, je vous laisse apprécier et encore merci de votre présence. Qui a commis cette faute? Moi, mais... Il reconnaît que c'est sa faute. Il reconnaît qu'il est coupable. Non, et ce n'est pas ma faute. Et c'est la faute d'une faute. Je n'y comprends rien du tout. Accusé, levez-vous. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de vous expliquer plus clairement? Monsieur le juge, mon client veut dire que cette pénible affaire provient d'une seule faute d'orthographe. Dans sa rédaction, il imaginait ses prochaines vacances qu'il comptait passer en camping avec des camarades. Camping itinérant, le soir, en
Je retire ma plaie. Albert est très étourdi. Mais enfant, c'est un bon petit garçon. Évidemment. Dans ce cas, étourdi. Innocent. Ce petit cherbillon, pouvait-il nous expliquer pourquoi? Une semaine à peine avant cette fameuse rédaction, il avait déjà écrit dans une dictée « L'attente est insupportable. L'affaire revendue. Accusé, levez-vous. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Et cette fois, c'était la faute de l'apostrophe. Quoi? Une seule faute d'apostrophe, monsieur le juge. Le texte de la dictée parlait d'une personne qui attendait depuis longtemps le retour d'un être cher. Et trouver cette attente insupportable et encore un mauvais tour de l'orthographe. Bon, ça suffit. La cause est entendue. Accusé, levez-vous. Vous êtes condamné à recopier cette phrase. L'attente de l'attente sous l'attente est entente. Combien de fois, monsieur? Une seule fois suffira. Et maintenant, vous êtes libre. Albert, bonnes vacances. Vas-y. Nous demandons aux parents de se lever pour l'hymne national. Merci.
السنون والعصور أنتري بزكاة تحفظ الود والسرور وتزكي المحبة والأخوة والحبور أنا أكرم الشهور أنا أكرم الشهور أنا الركن الخامس أنشر الود والرحمة بين المسلمين وأزيد toute ma satisfaction et mon bien-être. Après ces longs mois de labeur, je remercie le corps éducatif, cette seconde famille qui nous a épaulés tout le long de cette année. Elle a fourni de si grands efforts, et à leur tête, M. Gmra. Qui veut qu'Emile soit avant-gardiste et à l'orée d'une éducation ouverte et interactive. Je vous remercie. Vous, chers parents, qui nous soutenez encore et toujours. Avec Émile, notre épanouissement s'ébouche. Et avec lui, le grand, il prend son essor et s'envole. Merci.
les messages ne diront pour le trouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Madame Al-Alaoui, tous les travaux ont été réalisés par les enfants, bien sûr avec l'aide des maîtresses, et surtout vous aussi, parce que vous avez toujours été présents durant toute cette année. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, vous étiez là à les ramener, à venir les rechercher avec un sourire, à les encourager, même si des fois ils étaient fatigués. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous dis soyez les bienvenus, et j'espère que vous allez tous passez une agréable après-midi, bien sûr, j'espère que ça va durer jusqu'à la soirée. Et pour démarrer, nous avons l'hymne national qui va être interprété par différents niveaux de l'école Émile II. J'attends toujours vos applaudissements pour encourager ces petits enfants. Merci.
avant.